Suivez Suzoué Chanel de témoignages. Peuple de Dieu, bonsoir. On me voyait aujourd'hui, je suis souriante. L'autre jour, je pleurais devant vous. Vous avez remarqué comment je venais devant vous en pleurant avec ma fille. Je viens mettre Satan à nu et je viens lui. Je ne sais quoi dire. Ça a commencé le jour de la culte de Wendt. Quand nous sommes arrivés ici avec ma fille, elle marchait bien. Nous tous, nous étions bien. Quand le prophète avait prié, il a dit de boire l'eau. Nous avons bu et le prophète a déclaré la parole. Il a dit tout ce qui est dans votre corps, ça va sortir. J'ai dit amen, je reçois. Nous sommes rentrés à la maison. C'est là que les problèmes ont commencé. Le diable qui était caché s'est révélé. Le Seigneur a permis que je sache l'esprit qui dérangeait l'enfant. Ça a commencé à parler seul. Ça a dit, je vais écraser ses pieds. Je vais la rendre infime. Et elle ne va pas aller à l'école. J'ai dit ceci. Au nom de Jésus, le Dieu que Ferdinand et Kane sert va t'écraser. Quand j'ai dit, va t'écraser, le démon a commencé à crier. Le démon a commencé à crier. Il a bavardé pendant une heure. Il a dit toutes ses œuvres qu'il a faites dans ma famille. Nous sommes donc venus. J'attendais impatiemment le jour de culte parce qu'il avait beaucoup prié. Lui des faveurs que j'avais à la maison. J'ai prié, j'ai versé d'abord sur elle. J'ai commencé à prier. Le défi a commencé à parler. Béa, Béa, il m'a appelé. J'ai compris que ici ce n'était pas l'église parce qu'on a dit qu'elle est SS. J'ai dit non, ça c'est un esprit. Quand nous sommes venus ici, le diable a fait à ce que le prophète ne puisse pas nous toucher. Mais nous avons pris la violence. J'ai appelé Daddy, 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 comme il est humble. Il s'est retourné, il est venu vers nous. Quand le prophète a prié pour ma fille, il a dit, toi démon de paralysie, je te chasse. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés ici avec l'enfant. Malgré qu'elle était fatiguée, mais tout va bien pour elle. Elle est là-bas derrière. Elle marche bien. Elle va bien. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma famille. Parce qu'il a dit, tout ce que le diable a promis dans ma maison est fini. Et je crois et je scelle dans le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, peuple de Dieu. Ce fut dimanche le 3 octobre. Je suis arrivée ici étant malade, tellement souffrant. Je chauffais. Je brûlais même. Dès que papa a dit qu'on prend l'eau bénie, on prie sur ça. L'eau ointe, on prie sur ça. J'ai prié et j'ai bu un peu. Mon palu un peu baissé. Bien après, il a demandé qu'on soulève la bouteille d'huile de faveur. Je n'avais pas la bouteille d'huile de faveur. J'ai demandé au voisin, pardon, aide-moi un peu. Il m'a aidé un peu. Dès qu'on a prié, j'ai léché et mettre sur la partie qui me faisait mal. Bien après, le palu a commencé fort. J'ai dit à maman que je vais faire comment pour rentrer. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, on va marcher. J'ai marché, quittant d'ici ou de côté. Bien après, j'ai dit qu'elle ne peut pas supporter. Elle m'a donc mis sur la moto, je suis rentrée. Le lendemain matin, ça n'allait pas. Je suis allée à l'hôpital, à Pemisoukoum. Dès que je suis arrivée à Pemisoukoum, on m'a donc retenu. On a dit qu'elle ne peut pas rentrer parce que ma température était tellement élevée. C'était à plus de 40. Bien après, elle a donc essayé de baisser la température. On a baissé, fatigué. Bien après, maman m'a dit que non, prends d'abord l'eau ou un test du bois. Dès que j'ai bu, le palu a baissé. Je me suis lavé et j'ai tout fait. Tout était à merveille. Le même jour, on arrive, comme nous sommes arrivés, on demande qu'on fasse les examens. C'est là qu'il fait les examens. Je vois 12 000. Je dis que 12 000 signifie quoi? Maman voit le chef. De l'hôpital, je pose la question que 12 000 signifie quoi. Il me fait comprendre que ma fille, c'est un miracle que tu sois en vie. Je ne sais pas que le palu tue et que papa, je sais que le palu tue. Mais tu as 12 000 parasites dans ton organisme. On a découvert 12 000 parasites dans ton organisme. C'est un miracle. Je n'ai jamais vu. Nous avons vu, on voit 400, 500. Mais toi, tu as 12 000 parasites. C'était vraiment un miracle. Donc, je viens rendre grâce à Dieu sur ce qu'il a fait dans ma vie. À travers ma main et à travers l'eau ointe et l'huile de faveur, j'ai reçu ma délivrance. Bonsoir, peuple de Dieu. Il vient bénir, il vient glorifier la grâce de Dieu qui manifeste dans ma vie.
Parce que dernièrement, j'étais ici. Papa a pris un exemple. Il nous a dit ceci. On lui a donné un téléphone et que le téléphone était gâté. Bon, comme le téléphone était gâté, il nous a dit que le téléphone était gâté et que son téléphone... Pardon, sa soeur lui a donné un téléphone. C'était la fiche ne donnait pas. Et que sa soeur lui a dit qu'il prend le téléphone soit à 40 000, arrange la fiche. Et à 50 000, arrange la fiche. Ou à 40 000, il prend sans la fiche. Bon, dernièrement, il a pu chez lui, il y a eu une inondation. Mon téléphone, donc, s'était noyé. Comme c'était noyé, j'ai amené ça chez le technicien. Le technicien m'a demandé 20 000. C'est comme ça que je me suis dit que maintenant, mon état, il ne sait pas comment faire pour arranger ce téléphone. J'ai dit qu'il me remercie au téléphone, il a remonté, il m'a remis. Je rentre à la maison avec le téléphone. Je viens, il reste. C'est comme ça que je me suis dit que mon Dieu, tu connais ma situation de vie. Tu connais ce que je vis maintenant. Vraiment, Dieu, aide-moi. Aide-moi à ce que le téléphone, si ça revient en état. Je me suis rappelé que là, je disais directement à l'église que vraiment, le téléphone, on lui a donné le téléphone, il a prié sur le téléphone et cela s'est rétabli. C'est comme ça que j'ai pris lui des faveurs. J'ai aspergé sur le téléphone et je me suis mis à prier. Comme c'était l'heure de coucher, j'ai prié sur le téléphone et je me suis couché. Dès que j'ai bien prié, je me suis couché. Le lendemain, je me lève, je prends le téléphone. La fiche était revenue. Je rends grâce à Dieu. Je vous dis vraiment, mes frères et sœurs, ayons foi en Christ et ayons aussi foi en nous-mêmes. Et je remercie beaucoup notre papa Dadji qui nous donne cet enseignement. Je le remercie beaucoup. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce que l'huile de faveur a fait dans ma vie. Étant puisque je dormais et le matin, je me retrouvais avec le lézard derrière moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe que je dors avec le lézard? Le lendemain, je sors, je rentre dans la journée, je me sens qu'on a duplié mon matelas, qu'on a coupé une partie sur mon matelas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ah, la solution est en Dorbonne, je vais arriver là-bas. C'est là-bas que je serai la solution. Je suis arrivé ici maintenant, j'ai acheté l'huile de faveur. Je suis arrivé à la maison, j'ai expédié ça dans ma chambre. Le lendemain, je suis rentré du travail, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai levé mon matelas, j'ai trouvé le lézard mort en fait. Et depuis ce jour, je dors sans problème. Je rends grâce à Dieu. Suivez Suzy Chanel des témoignages.